Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît 494 pour ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Thorgrim le Rancunier. Et donc on en était à finir notre tour, on n'avait pas fait de diplomatie je crois depuis pas mal de tours. Y a-t-il des gens avec qui on pourrait faire du commerce en fait? Non, pas vraiment. Non, parce qu'on n'a accès à aucune capitale, c'est juste, on est juste enterré dans notre coin là. C'est une catastrophe. Ici, on commence à préparer une autre armée, gentiment mais sûrement. Ici, on ira attaquer l'autre, donc eh ben, fin du tour. Voilà, pour l'instant, j'ai pas trop envie de discuter avec les autres, j'ai assez de mes emmerdes. Et perso, faire des traités avec des gens qui sont même pas fichus de traiter le problème dans leur propre région, ça commence à me fatiguer. Parce qu'ils se font massacrer, ils se font démonter, et puis après, ils déclenchent la guerre, ils déclarent la guerre à tout le monde, bien sûr. Allez, bah tiens. Ah puis lui, il s'est pas pris la tête, hein, il a rasé. Bon, moi, c'est ce que j'aurais fait aussi, hein, mais... Tout simplement parce que pour lui, ce climat-là est orange. Et que ça veut dire des malus d'ordre public, des malus de construction. Donc c'est le genre de contrée que vous allez chercher à recoloniser peut-être. Mais quand vous aurez déjà un empire avec une certaine stabilité en fait. Avec une bonne stabilité financière, enfin économique. Et que vous pourrez gérer des déplacements d'armées dans ces régions le temps que vous arriviez à avoir un bonus de... d'ordre public. Parce que, non, non, franchement, l'ordre public dans ces coins-là, c'est moins 3 en orange et moins 5 en rouge. Ça paraît pas comme ça, mais c'est énorme. Surtout les premiers tours où vous possédez la colonie, c'est énorme, c'est incroyable. Ça fait super mal. Le chaos s'agite. Rassemblez vos forces. Patati patata. L'épée de Kane a été récupérée. Dwinbar a gagné un trait ordre public. Très bien, ça nous arrange. Et lui, ah, il vient de se mettre en mode recrutement. Il vient de comprendre que... Ah merde! Il y a ce combat qui est là. Mais c'est trop tard. Non. Non, me dis pas que j'ai pas le mouvement. Oh, mais j'hallucine, quoi. Oh non, mais j'hallucine, quoi. Putain, mais c'est quoi ce... Ah, putain, je l'avais pas vu. J'avais oublié. Putain, il y a cette putain de rivière ici, on ne peut traverser que sur ce guet. Ah, j'avais oublié ça. Donc lui, visiblement, il a compris que c'était pas une bonne idée de venir sur mon territoire. Voilà, ce monsieur a pris un niveau, on va lui donner de la marche forcée. Le mont Squeakcorn a donc été agrandi, on va y poser définitivement une muraille. Quoique, on va peut-être commencer par augmenter notre gestion du... des revenus. Ouais, on va augmenter notre gestion des revenus. Oui, parce que forcément, on est retombé. Hein, vu que lui a recruté des troupes assez importantes. Du coup, bah fin du tour, à moins que j'ai de la diplomatie à faire avec des gens, mais je ne crois pas. Eux, ils sont super loin de nous, on n'a pas vraiment d'intérêt avec eux. Eux, ils sont en train de mourir, on n'a pas vraiment d'intérêt avec eux.
À moins peut-être de les confettes. Talk at me in your crude language if you must. I make no promises as to the outcome. Mais visiblement, il m'aime pas, donc... c'est pas lui qui fera une confède avec moi. Qui c'est qu'on a d'autre? To war! Zuvbar. Dowie from another hold arrive. Tis a great day. En même temps, ça me foutrait dans la merde s'il acceptait. Qui c'est qu'il y a d'autre? Il y a... Wanrag. Baragvar, qui est en train de mourir aussi. Aye. Let's hear what you have to say. Ah, lui, il serait OP pour rejoindre le confède. Mais le problème, c'est qu'il est en train de se faire... pourrir au sud, là. Et du coup, je suis pas sûr d'avoir envie. Parce que moi, je suis en guerre avec ces gens-là. Aussi. Fine. Donc, on va attendre un peu, je crois. Hein. Quoi qu'il est en train de se faire assiéger salement ici. Ça serait le moment d'aller les attaquer. On va voir. On va voir. Let us begin. Lui, pour l'instant, il reste là. On va finir notre tour et on va y réfléchir entre deux tours, du coup. À savoir de ce qu'on va faire. Parce que lui, s'il m'attaque là, il aura le renfort de sa garnison. Donc ça risque d'être un peu coton. On va voir. Voilà, il va m'attaquer. Hein. C'était sûr. Donc bon, on va la jouer. On va la jouer, je pense. Quelques unités de tir qui risquent d'être un peu chiantes. On va voir. On va voir comment ça va se passer. On va faire une sauvegarde au cas où ça se passe mal. Mais je pense qu'on peut les tuer. Je pense qu'on peut les tuer. Oh, d'autant que finalement j'ai bien fait de me placer derrière cette rivière, regardez ça. Est-ce qu'il y a un guet où ils peuvent passer? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'ils peuvent passer que d'ici. Ah, peut-être ici. Peut-être ici. On va voir quand on sera sur la map. Mais finalement, j'ai bien fait de me placer à cet endroit-là parce que du coup... Ouais, c'est bien ça. Du coup, ils ne peuvent passer que par ici ou par ici. Donc du coup... Let the vengeance begin. The clans unite. On va faire un groupe. We demand blood. Qu'on va mettre ici. Voilà. On va faire un autre groupe. The clans unite. Qu'on va mettre ici.
où à mettre Thorgrim? Ici. Warulas! For the ancestors! Où à mettre ces gars? Ici. Alors, ils peuvent pas me contourner d'un autre côté. Hein. Non, hein. Ils peuvent pas du tout me contourner. Du coup... For the High King. Ah, attends, mets-toi là, toi. Parce que là, ici, je pense qu'on devrait pouvoir en mettre deux. Voilà, juste ici, comme ça. Voilà, ici, on va en remettre une. Hop là. Et celle-ci, on va la grouper avec celle-ci, et on va les mettre ici. Voilà, est-ce que je peux pas les avancer un chouï plus? Genre qu'ils soient vraiment au bord, quoi. Voilà, histoire de bien pouvoir tirer, notre catapulte, bah... On va foutre ici. Voilà, avec nos mineurs ici. Et ici, pour colmater les fuites, s'il y a des fuites à certains endroits. Et je pense qu'on peut commencer la bataille. Et là, je pense que... On va les mettre dans le... On va les mettre dans le mal, je pense. On va les mettre dans le mal. King Thorgrim Grudgebearer. Voilà, toi tu peux canarder déjà. Mais oui, tu peux canarder. Canarde-moi ça. Ici, ils vont probablement tenter une charge. Hein. C'est probablement ce que j'aurais fait aussi. C'est pour ça que j'en ai mis un peu plus ici. Quarrelous! Voilà, vous vous tirez là-dessus, vous tirez là-dessus, et vous, tirez là-dessus. Voilà, toi, tu tires là-dessus. Voilà, là c'est un déluge de tir. Hein. Ils arriveront pas jusqu'à nos lignes, je pense même pas. Allez-y, hein, tirez-leur dessus, canardez-moi ça. Voilà, oh, c'est-il pas beau, ça. Et toi, tu peux faire quoi? Toi, tu peux faire... Ah ouais, non, mais ça, c'est au corps à corps, et ça, c'est au corps à corps aussi. Donc, t'as pas de buff ou de debuff pour tes troupes. Ouh, tirez là-dedans. Voilà, eux, forcément, bah, ils ont fini par fuir, hein. Voilà, ils ont pris tellement de tirs. Okay. Voilà, du coup, bah, vous avez ceux-là qui s'avancent. Bah, soit à volonté. Et soit à volonté. Voilà. Vous, soit à volonté là-dessus. Vous, soit à volonté là-dessus. Vous, continuez à tirer là-dessus. Ah, 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 ça bouge. Ok, ils ont décidé d'attaquer. Ah, mais c'est quoi ça? Des zigouillards. Des zigouillards. Donc vous, tirez sur les zigouillards. Vous, foncez sur les zigouillards. Vous, foncez sur les zigouillards. Vous, foncez sur ces gars-là.
vous foncez sur ces gars-là. Et vous... attendez ces gars-là parce qu'ils vont revenir. Je le sens bien. Donc lui, il a ses caves là qui sont en train de me faire des allers-retours. Je pense qu'on va les canarder en chouille. Mais en fait, je canarderais bien dans cette masse là. Ou dans celle-ci. Voilà, allez, ça bouge, on y va, ils sont en train de fuir. Non, ils fuient pas. Donc vous, hein. Canardez-moi ça. Stop. Canardez ça. Ah, eux, je pense qu'ils devraient être capables de les buter. Ici, canardez bien ça. Voilà. Donc vous tirez là-dessus. Vous tirez là-dessus. Vous tirez là-dessus. Vous, bah, ça va être le moment. Hein. Attaquez ça. Attaquez ça. Non, 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 stop. Attaquez ça. Vous là-dedans, vous là-dedans, vous là-dedans, vous là-dedans, vous canardez ça, le groupe 2, non c'était le groupe 1 ici, le groupe 1 vous en mettez en place. Non, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Ça revient, retournez-vous. Vous tuez-moi ça. Vous tuez-moi ça. Voilà. Voilà. Vous tirez dans le tas ici. Vous tirez là-dedans, mon pote. Tirez là-dedans. Toi, tu viens ici. De ce côté-ci, ça a l'air de tenir. Du coup, on va laisser nos archers continuer à protéger ici. Le groupe 1, on va le remettre ici. Ici. Voilà. Vous là. Ah, ils ont plus de mille. Tirez là-dessus. Et vous, revenez par là. Vous, foncez-leur dedans. Foncez-leur dedans. Vous. Vous venez ici. Vous. Vous venez ici. Ici. Faut me choper tout ça. Ici, bah, il faut me choper tout ça. Toi, tu canardes là-dedans. Et vous, bah, il faut aller là-dessus. Voilà. Toi, tu poursuis ce gars-là. Voilà, vous foncez là-dessus. Vous foncez là-dessus. Voilà. Vous foncez là-dessus. Vous foncez là-dessus. Vous foncez là-dessus. Voilà. Vous là-dessus. Toi, tu nous canardes là-dedans. Vous allez là-dessus. Vous allez là-dessus. Voilà, vous foncez là-dessus, vous foncez là-dessus, vous foncez là-dessus. Dwarf warriors. Vous là-dessus, vous là-dessus,
Et ça y est, c'est la victoire. Le problème, c'est qu'on a plus des masses d'unités de tir, donc... On va terminer la bataille tout de suite, ça fera le calcul des unités qu'on aura réussi à poursuivre. On devrait pas trop trop mal s'en tirer, et on s'en est même plutôt pas mal sorti. Voilà, donc lui il est à moitié mort, ils ont... Putain, ils ont pas fait grand chose hein, finalement, ces unités. Ces unités de tir peut-être ont peut-être réussi à faire quelques morts, mais nous, nos arbalétriers se sont juste amusés, quoi. Mais ils se sont gavés, les mecs. Et puis eux, bah, ils ont fait le café, quoi. Ils ont mouliné tout ce qu'ils pouvaient, hein. Voilà, donc du coup, bah c'est une belle victoire. On a 58 pertes à peine. Ouais, on a 58 pertes, mais c'est dû à leurs archers en grande majorité, je pense. Hein. Quoique, eux ont tapé un petit peu. Hein, mais ils se sont retrouvés un peu au contact, eux, et puis après les autres, bah, c'est... Ça a été un carnage, quoi. Hein. Plus de commandement. Où est-ce qu'il va? Il s'enfuit. Il s'enfuit loin. Alors, est-ce que je peux... Ah bah non, c'est leur tour. Donc je devrais pouvoir le tuer. Et aller coloniser. Le tout dans le même tour. Ici, les vampires qui sont en train de... nettoyer Zumvba. Impressionnant. Impressionnant. Du coup, ah bah ils ont repris Baragva. Ah bah super. Ah bah bravo. L'épée de Cain a été récupérée. Donc alors, est-ce que je peux... Non, il est hors de ma portée. Salopard. Du coup ici, bah... Hein quoi? Alors, on la save. On la joue en auto et logiquement... Ouais. Fait beaucoup de pertes quand même. Hein. Et on a un régiment de renom déverrouillé. Alors, du coup. Ready. Les mineurs à charges explosives. Donc, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est prendre nos mineurs. Send me to vengeance. Voilà, et recruter cela. Voilà, à Caragdron. Oh, 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 mais on leur a repris, en plus on se pète le culot d'avoir un level 2, et mais tout est déjà prêt pour moi en fait. Mais c'est juste génial.
1600, est-ce que je vais pas préférer garder ma trésorerie pour le moment, notamment pour améliorer des choses à Baragvar? Voilà. The axe thirsts for war. Lui ici, donc pour l'instant au sud ça ne bouge pas. Donc est-ce que j'irai pas lui échanger mes longues barbes contre ces contre quelques-uns de ces mecs là. Ça me semblerait une bonne chose. Hein. For the wisdom of Valea. Voilà, comme ça il pourra avoir des unités plus costauds parce qu'au niveau du recrutement, parce qu'en ce moment on peut pas recruter. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut recruter qui est vraiment... Ouais, on a les guerriers nains aussi qui sont pas dégueu. Et ces mecs là qui sont bien aussi. Et en plus je crois qu'ils ont des... Ah c'est peut-être pas eux qui lancent des haches. Mais il y a une unité comme ça qui lance des haches aussi. Ouais du coup je pense qu'on va faire ça. Ready. On va aller lui refiler des unités un peu plus... un peu plus costaude qu'on va lui échanger contre 4 de ces gars là même des blessés hein. c'est pas gênant, on lui fera les unités les en plus mauvais état comme lui de toute façon il va remonter ici pour garder cette province là contre ces gens là. Voilà, on a un point de compétence non attribué. Or, wow, optimisation de zone, plus 12 de dégâts des armes, plus 8 de... plus 8 d'attaquants mêlés. Eh hey. Eh, hey, ça c'est un passif. Et du coup, on pourrait lui donner plus d'armure. Rancune envers les peaux vertes. Voilà. Send me to vengeance. Et du coup, eh ben, on peut finir le tour. On peut finir le tour et on peut même finir l'épisode. Voilà, donc eh bien vous connaissez le refrain, n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits conseils et commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dès demain pour la suite de nos aventures.